Un canari est sauce. Et puis elle est déposée, et puis deux oiseaux sont venus bourrer la nourriture qui est déposée. Donc, quelqu'un me disait qu'il faut manger la nourriture. De l'autre côté, quelqu'un me dit, il faut laisser nourriture, quelqu'un nous dit, depuis l'oiseau, tu veux plus manger. Donc, comme nous aussi, nous tenons à cœur, donc, j'ai coupé un peu, puis ça est garé, et sinon, ça après manger. Et puis, il y a les gens qui nous disent qu'on veut être complètement. Quand j'ai pris la nourriture, elle est mise dans mon ventre. C'est tombé comme ça dans mon ventre. Et puis, je me suis senti lourd sur place là. Et certains nous disent ça, et puis bon, j'ai commencé à m'imaginer des choses. Dans mon imagination, je voyais les gens. C'est en noir. Les gens qui étaient en noir. Bon. Et puis après. Et puis ma manière aussi de me comporter à même. Quand tu as mangé, moi je te suis très bien. Quand tu as mangé, tu te retrouves où? Quand j'ai mangé. Je me suis retrouvé dans un camp de soins. Où en partie la sorcellerie? Tu vas délivrer. Il faut appeler très bien. Je te dis tout à l'heure. Qui a dit moi ou même c'est quelqu'un? Je n'aime pas ça. Je n'aime pas ça. Je suis en train de poser. Attends, là, t'as mangé, oui? Je me suis senti lourd. Non, laisse ce côté-là. Tu te retrouves où? Il était à la maison. Tu dis que tu te retournes en camp de sorcier. C'est ça, on est arrêté tout à l'heure. Hein? Mais pourquoi tu viens encore en arrière? Hein? Je me suis retrouvé dans le camp de sorcier. Ouais, vous avez fait quoi là-bas? Là-bas, on m'a demandé d'envoyer qu'est-ce qui a mangé le poisson. Qu'est-ce qui a bien du mec? Qu'est-ce qui a envoyé pour moi? Pour toi. Et puis t'as envoyé qui? Mon petit-père. Son nom? L'abbé Jean-Noël. L'abbé. Qu'est-ce qui s'est passé? Il l'a envoyé. Tu l'as mangé? Il l'a envoyé d'aller acheter bonbons. Et puis, tu l'as mangé quoi? Il a mangé la soie de la. Et vous étiez combien? On était nombreux. Non. On était 16 personnes. 16. Vous connaissez le nom de tout le monde? Ils sont au blague. Hein? Ils sont au blague, mais ils ne sont pas au blague. Faut pas insister. Ils connaissent le nom de quelques-uns, mais ce n'est pas eux tous qui connaissent le nom. Les gens, tu manges, tu ne les connais pas. Tu manges avec quelqu'un que tu ne connais pas. Tu fous quoi là-bas? C'est forcé. Alors, tu connais les noms? Tu sais, ici, là, nous, on connaît tellement vos bouches. Il y a des gens où tu n'as pas oublié de dire leur nom. C'est comme ça. Et ça ne t'arrange pas. Tu ne dis pas que tu ne peux pas être libéré. Il faut dire le nom de tout le monde. Tu connais tout le monde? Tu as mangé pour ta voix, non? Tu as mangé pour donner ta voix pour toi. Tu as partagé. Tu vas là. Tu as donné pour chacun. Tu as dit, tu connais. Tu as pas la bien d'aller partager à tout le monde. Tu connais pas le nom de quelqu'un. Tu connais pas le nom de quelqu'un. Tu connais pas le nom de quelqu'un. Tu dis, tiens, viande. Il nous faut l'idée de venir bien viande. Il faut arrêter ta comédie. C'est bien, les gars, ça casse bien. Tu connais pas quelqu'un qui dit, tiens, viande. Il nous faut l'idée de venir bien viande. C'est bien. Tu as tué combien? C'est ça le problème. Est-ce qu'il y a 8 personnes? 8 personnes. Allons les noms. Il y a un petit frère. Il appelle l'abbé. Allons-y. Il y a deux de mes cousins. Il y a un qui s'appelle Jaurès, l'autre qui s'appelle Aquilas. Et puis,
Il y a mon grand-père paternel et ma grand-mère paternelle. Cinq. Et puis, il y a un tonton qui est en France. Donc, tu as quitté la Côte d'Ivoire, tu es allé en France. Oh, s'il te plaît. Comment tu t'arrangeais en tant que sorcière, aller en France, tuer cette personne? Faut nous expliquer ça. C'est pas un grand ami. Oiseau. Sinon, je te demande. C'est pour avion. Avion. Et tu es arrivé là-bas. Donc, tu as avion. Hein? Tu as avion. Quand on prend ce qu'on a ça, là-bas c'est jet. Tu peux aller louer. Là-bas, il y a avion. Hein? Mais je te demande alors, quand tu as avion. Oui. Tu n'es pas une petite sorcière. Une canne avion privé. Si tu arrives au stade où tu as avion, tu n'as pas une petite sorcière. Ça, c'est un jet privé. Nous, on connaît les dossiers. Qui a piloté l'avion là? Alors qu'on y a vu là? C'est moi-même. Alors qu'on dit où? Tu sais, bon, nous dans notre phrase, on y conduit. C'est lui qui a piloté là, bon, on va tout le monde. Tu sais conduire l'avion? Il y a avion qu'on dit ça. Oui. Il conduit où? Comment on fait? C'est ça, moi là. Comment on fait? Comment on fait? Il fait comment? Hein? Comment? Je parle pas. Les gars ne parlent pas ton chéri. Comment il parlait quand tu es en train de parler à quelqu'un qui va lui dire? Ouais, comment tu fais? Il va comme ça. Puis l'avion la bouche. Ça démarre. Il est arrivé en France. Tu connaissais Jérémy avant? On t'a envoyé donc, tu t'avais l'adresse à partir là-bas. Donc, on veut quitter ce palais, tu es en France. Hein? Il te demande? Je sais, je sais. Il te pose une question. Donc, si on se peut quitter ici, palais en France, prendre âme. Oui. Hein? Comment? Comment t'as su que c'était sa maison? Quand il venait, on est le bureau de sa maison. Qui t'a donné? Ton papa. Son papa. Il est mal en France, mais il maîtrise ça. Hein? Si il est là, parce qu'il est osé et puis il porte quelque chose et puis il prend pour lui. C'est ce que je voulais savoir. Voilà, c'est ce que maintenant tu expliques très bien. Comment il fait? Comment il fait? Il prend et puis Il voit sa maison. Oh, le coup, il est en train de se faire. Comment il commence à se travailler? Ok, bon, il a. Et puis il voit. Là, il dit que tu es caché. Non, le vieux, le vieux. Zouzou, le vieux te voit dans la douche. Comment c'était ça? Le vieux m'a appelé, tu changes d'adresse. Où je vais la sorcellerie? Donc le vieux, il regarde. Il dit, bon, j'attends 5, que tu aies 50 kilos. C'est comme ça, il y a un pouvoir. Il regarde, puis il le voit, puis il a dit, bon, il fallait gérer le dossier. Pourquoi? Je vais vous expliquer. Parce que si lui met pas sur le terrain, s'il y a une situation bizarre, ils vont le reconnaître. Donc aujourd'hui, les gens ne vont pas sur le terrain, ils envoient quelqu'un. Ils ont changé les stratégies. Et tu as allé, tu as pris son âme comment? Comment? Donc, à lui, à sa galère où? Au salon et dans la chambre. Au dehors. Mais t'avais bien dit de descendre. Tu as fait comment pour rentrer dans la maison? Moi j'aime bien ça.
Tu as copain. C'est une question bizarre, non? Moi, il y a des questions bizarres. Moi, c'est comme ça que je suis une question bizarre. Ça me prend qu'on peut poser question. Tu as copain. Oui. Imaginez une fille qui quitte Abidjan. Vous avez à Beauville, pour aller faire sorcellerie en France avec un copain dans la même chambre. Imaginez le sort du copain. Tenez-vous debout, de l'eau. Le procès le soir, tenez-vous debout. Tenez-vous debout. Non, laissez ça comme ça. C'est une action prophétique. Ça n'a rien à voir du fétichisme. Amen. Vous savez, quand tu as une onction sur ta vie, c'est l'onction là qui accompagne ton ministère. C'est comme ça. Quand vous allez vous mettre près du feu, les minutes du bon cycle, vous allez commencer à chauffer. Comme si tu étais dans le feu. Non, c'est parce que vous êtes à côté du feu. C'est ça. Plus vous êtes près de quelqu'un, il y a une onction. On était d'expulsion. La sorcellerie. Cette onction-là qui va te laisser toi. Pendant qu'il sera en train de prier, l'eau, la grâce, l'onction va s'emparer de l'eau. C'est ce qui de l'autre côté on dit magnétiser l'eau. Magnétiser l'eau. Là-bas, le mystique, c'est le mot qui l'a chuté. Nous allons communiquer une onction à l'eau. Je vais prendre les termes bibliques pour ne pas vous choquer. Vous ne pas déranger votre esprit. Parce qu'il y a des choses que tu dois savoir. Ça, c'est important. Jésus lui-même dit, à mon nom, vous chasserez les démons. Et puis, devant un cas de possession, Jésus change de méthode. Il dit, tel sort les démons, ne sortez par le jeûne et la prière. Donc, c'est dit aussi, il y a d'autres cas qui n'ont pas été révélés dans la parole. Mais pour les dégager, il faut encore d'autres méthodes. Il faut encore d'autres méthodes. C'est nous les prophètes qui révélons les choses les plus cachées. Amen. Je vous ai parlé tout à l'heure dans Genèse. Comment l'homme qu'on appelle Jacob, on va déverser lui. Il va dormir après une pierre. Parce qu'il savait que dans sa vie, tu vas pour être chrétien. Tant que l'autel n'est pas renversé dans ta vie, c'est la réussite qui a adoré le vaniche. Il y a une réclamation. Le diable réclame le sacrifice. Il a fait dans ta vie. Ça n'a pas encore été détruit. C'est pourtant une occasion de renverser l'autel. Amen. Dès qu'il s'est réveillé, il a versé lui sur la pierre. Amen. Il est revenu, il a réduit l'homme dans le même endroit. Il a fait passer la libation. Puis versé de lui. Amen. Vous avez de l'huile, de l'eau. C'est vrai que nous avons une veillée. Après la retraite, bien sûr. Ceux qui sont encore là, ceux qui sont bons partis, la même nuit, vous allez dormir. Là où vous allez vous mettre la tête. Faites un effort qu'il soit oreillé. Même oreillé là. Ne vous touchez plus ça. Voyez ça. À 7h du matin. Parlez. Dites toute trace.
L'homme a venu de satanique dans ta vie. Tout ce que les parents ont fait, alliance, d'aller ticher avec le démon, tu te sépares avec ça. Il n'a même pas le secret. Le diable n'a plus de droit légal sur toi. Depuis tu verses en parlant, tu verses l'eau. Parce qu'elle connaît ça. Elle connaît les esprits, connaît la puissance de la libation. Ils connaissent la puissance de la libation. Tu laisses ça dans le même endroit. Mets-le dans un endroit où les gens vont pas aller jeter ça. En dehors de la peau. On a poussé en dehors de la peau. Nous faisons le soir. Est-ce qu'on va bien saisir? D'un coup, nous avons avant quelques jours que ça sèche. C'est au cas où il y a un peu de amen. Reviens prendre une main de lui. Vide tout un contenu. Et puis brûler ça. C'est si et bien. Il y a. L'approchement va disparaître. Il y a quand. Dis amen. On m'a très bien saisi. Amen. On m'a bien saisi. Amen. Quand vous baissez l'eau, ça va pas sécher. Si tu rentres à la maison, fais boire tous les gens de la maison. C'est secret. Non, vous savez le moyen. Mettez dans le sens, vous préparez ça. Ouais. Tu vas pas manger. Non, non, quand même. On a le moyen. Je veux que vous soyez puissants. Amen. Ma main saisie. Nous qui dormons ici. C'est ça, il dit, après la retraite, vous pouvez faire ça. On n'a pas tout le temps ici. La retraite finit demain. Vous pouvez rentrer en famille, peut-être vous pouvez revenir. Cette semaine, vous devez démarrer l'action. La semaine qui vient, vous devez démarrer. Ça ne va pas tout entendre. On m'a bien saisi. Amen. Amen. Si tu es un malade, et tu sais que c'est la sorcellerie, tu vas essayer ça. Mais je n'ai pas dit d'aller adorer ça. Mais c'est sûr, vous parlez à vous, vous parlez à un point où tu as chaque jour. Vous parlez à la voix, vous parlez à vous. Le mot qui est sur le côté, non. Je vais faire ça, c'est donnez ça. Amen. Sur ça, il parle à moi, vous demandez de visiter. Vous allez vous-même chanter, ça sur ce livre. Vous allez dans ça comme petit. Il faut vous assurer de quoi vous n'avez pas vu. Amen. Amen. Parce que ma bien saisi. Amen. Nous sommes à la plus de la vivez ça. Et il y a un amour vivez. Ceux qui sont malades, les maladies internes, vivez ça pendant 7 jours. Pendant 7 jours, vivez. Si c'est une maladie mystique, ça va disparaître. Si c'est une maladie mystique, ça va disparaître. Mais après avoir fait l'action prophétique, ça c'est le corps. Ce qui est dit là, après avoir fait ça, vous pouvez maintenant utiliser l'eau. Amen.
Ce n'est pas n'importe qui doit monter dans ta chambre. Ne mettez pas n'importe qui de vos chambres. Vous devez avoir accès à ton âme. Parce que même le peuple qui chez nous, vous devez avoir accès à ton âme. On est encore le temps de la boucle. Faut pas tout le monde rentrer dans ton âme. La vie, parce que la vie est mais elle est plus dure à vous. On peut même plus pour le monde. On peut même plus pour le monde. Vous êtes là dans ta chambre. Tu es le Dieu d'Abraham. Je t'invoque. Oh Dieu, le Dieu d'Israël, le puissant et le véritable Dieu. Tu dis quiconque invoquera ton nom sera sauvé. Nous t'invoquons ce jour dans le nom de Jésus-Christ. Tout ce que vous demandez en mon nom, je le fais. Et c'est le nom de Jésus-Christ qui est prononcé. Je communique à ces eaux la puissance et l'onction de la délivrance, l'onction de la libération totale, l'onction de guérison, l'onction de la restauration, l'onction de victoire sur la sorcellerie. Dans le nom de Jésus. Et au travers des actions, nous renversons les autels sataniques dans le nom de Jésus-Christ. Que nous soyons entièrement à toi. Qu'aucun fétiche, qu'aucun démon ne puisse nous réclamer de nous avoir. Amen. C'est dans le nom de Jésus que j'ai prié. On dit amen. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Thank you.